J'ai commencé le vélo ici, à Saint-Martin-d'Hères, à l'âge de 6 ans. J'écoutais à toutes les disciplines et on m'a détecté des qualités pour le sprint. La piste, c'est vraiment des sensations de vitesse. C'est des épreuves qui sont très courtes, très intenses et ça va vite. On sent le vent sur notre peau, c'est vraiment génial comme sensation. J'ai commencé à 18 ans avec l'équipe de France. J'ai eu l'opportunité de faire les Jeux Olympiques de Tokyo, qui a été une formidable expérience pour moi. J'ai décroché une médaille de bronze en vitesse par équipe. Je suis maintenant à Paris pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. Aux Jeux Olympiques, je serai aligné sur trois épreuves majeures. La vitesse par équipe, la vitesse individuelle et le keirin. Je vais tout faire pour décrocher cet or olympique. Je suis conscient du travail que je dois réaliser. Je mets vraiment tout en œuvre de mon côté pour réussir ces Jeux Olympiques à la maison. J'ai un championnat d'Europe en début janvier. C'est important parce que c'est une épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques qui va s'en suivre de trois Coupes du Monde. Une médaille à Paris, ça sera vraiment l'aboutissement d'un gros travail, d'une grosse préparation, également beaucoup de sacrifices. J'ai des partenaires qui me permettent, dans un premier temps, de me concentrer pleinement dans ma discipline, au quotidien, en étant vraiment serein. Et dans un second temps, qui peut m'apporter également une expérience utile pour les Jeux Olympiques de Paris, comme voilà, la découverte de d'autres athlètes. C'est vraiment d'autres horizons qui me permettent moi, également d'enrichir cette culture-là et d'arriver le plus armé possible aux Jeux Olympiques.